Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Still Wakes the Deep. Alors je l'avais mis en short, comme quoi cette vidéo, j'avais pas mis de jour, mais comme quoi c'était la prochaine vidéo. On est sur Xbox Series X, c'est disponible dans le Game Pass. Sinon je crois que ça vaut, il me semble l'avoir vu à 35€, un truc comme ça, sur console. Donc c'est pas un jeu très cher. On va démarrer tout de suite. Alors j'ai vu qu'il y avait deux modes. On est sur le mode qualité. Pour le coup, pour une fois, j'ai laissé le mode qualité. On va voir comment ça tourne avec le mode qualité. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, écoutez, on verra bien. Je vais mettre le micro en mute et on se retrouve après. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Kaz. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. Wait forever. Zeus. Jesus, Zeus. Girls need you a Christmas card. Fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be up with you. Aye. All right. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle pour lui, mais en même temps, je peux comprendre aussi sa famille. Hein. Quand vous êtes absent au bout d'un moment, c'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour la femme à la maison qui va les assumer toute seule. D'avoir quelqu'un et de pas être avec, c'est difficile. Hein. Bon, on est sous Unreal Engine. Il y a une espèce de grain de film, je pense qu'on peut l'enlever aussi dans les paramètres, mais moi je trouve que ça amène un truc, un charme. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Bon, vous m'en voulez pas, mon nez est mort encore. Cadal and fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to Hydo ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. I need a smoke. C'est bien ça, ouais, ils sont à peine arrivés, ils ont à peine commencé à bosser que tout tombe en ruine déjà. C'est beau. We're going to get breakfast. Alright. See you for that tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See ya. Allez, on va avancer tranquillement. Il y a des douches, tout ça. Je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Well, this is cozy. Ouais. C'est pas par là. C'est bien, on a l'air de pouvoir ouvrir les portes. On va pas aller fouiller chez les autres. Hein. Ah ouais, faut descendre à la cantine. Ah ouais, d'accord, ça y est marqué là. Ok. Donc la cantine, elle est en bas. Quel indice. Allez, on y va. Zébardi. From Sue's. She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cass. She
She'll come around. Not if I get the jail she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Susie, had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. Fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Seuss does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trotz says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Remember, life is like football. It's not over until the final whistle. Ouais, c'est pas faux. C'est pas fini tant que l'arbitre a pas sifflé. I will see you then for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Bon, bah, on va pas manger, hein. On va plutôt aller. Aller dans le bureau. Donc, ça va pas être par ici, j'imagine bien. Sortir sur le pont. C'est par là, mais vous avez vu, on peut regarder les plans, on peut. Quitter la zone. Ouais, vous m'en voulez pas pour mon nez. J'ai chopé un peu la mort à un festival. Où, bah, comme il fait un temps d'automne en ce moment, ce jour-là, il faisait beau, mais il faisait 20, 21, 22 degrés quand j'y suis arrivé. Il faisait plus que 10 quand je suis parti, quoi. Et il y avait du vent. Donc, je me suis fait avoir comme ça. Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce jeu. J'avais vu une vidéo quand même. J'avais regardé. Et il est où lui? Ouais, quand on arrive ici, on voit que ça tourne plus à 60 images secondes. Il y a beaucoup plus de choses à afficher. Bah, c'est pas grave, on va faire le tour. Je sais pas trop par où faut le faire le tour, mais. On va passer par là. Ça gueule en tout cas. On a une touche pour sauter, ok. Une touche pour s'accroupir. Bon. Après, c'est assez... assez joli, ça va. Est-ce que je peux pas aller plus vite en escaladant par là? Non. On va courir un petit peu. On va bien voir ce que ça donne. Je ferai peut-être des cuts pour aller plus vite. Hop. C'est un peu le bordel, hein, leur plateforme et tout. J'avoue, c'est vrai que des fois, il faut faire le tour alors qu'on pourrait couper et tout. Mais bon, c'est normal après. Il y a des zones de stockage. Mais on peut pas traverser n'importe où, n'importe comment. Bah, j'ai pas trop le temps là. La boîte à fusibles est là. On va aller la réparer. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour aller me faire défoncer dans le bureau. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer.
Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, quand on fait des conneries, après, même si pour le coup, ça avait l'air justifié, malheureusement, bah, il faut payer derrière, hein, parce que c'est justifié pour nous, mais pas aux yeux de la loi, parfois. Et Zebardi, on va se faire fracasse. Sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stan. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's no ship. Shut your gob, you Ned prick. I am sick. Sick to fucking balking of you wee gobshites messing with my operation. That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do. Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite on shore, McClary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the police to my door, to my rig. Look, I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. Got here's a mama who can make a more positive contribution to this operation than you. Wait, I know shut it! I'm in a meeting. What? Fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! Or I'll come down here myself! Is that trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Aye. A happy new year to you too, yeah. Bon, bah... viré. C'était sûr que ça se terminerait pas bien, mais bon, vu qu'il s'apprête à faire une connerie, j'ai remis le micro, moi, ouais, c'est bon. Vu qu'il s'apprête à faire une connerie, bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on dégage. Après, le problème, c'est que. C'est que retourner sur la terre ferme, bah on va finir en prison. Enfin, en tout cas, chez les flics, quoi. Voilà. Ça va être compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Christ, I got a right pair. Two bars and a ball bag. Now listen, Pat. I promise I'll take care of him. I had a word with Arkieran, you remember him? You know, it's Billy Chamberlain from way back. Owes me a favour. Reckons you can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Roy, you lost the cake at the wedding. Now then. That wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on a rig with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Ouais, je suis pas sûr qu'on règle ça, mais bon.
Pour l'instant, il y a d'autres problèmes à régler. Bon. Après, ça commence toujours doucement, ce genre de jeu. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Pour l'instant, c'est un peu mystérieux. Mais c'est assez joli, j'aime bien. J'aime bien le style qu'ils ont donné au truc. J'espère que sur la capture, ce sera pas trop sombre. Normalement, j'avais remis un petit peu de luminosité. Donc logiquement, ça devrait pas être trop mal. Après, merde. Ah, faut garder la gâchette. Sinon ça marche pas. En fait si on... Ouais oui, c'est écrit maintenir. Si on lâche la gâchette, on reglisse en bas. Il est où ce con? Il avait besoin, mais il est où? On va essayer. Bon, le câble il est bloqué, il a dit. On va descendre. C'est ici qu'il faut éditroyer. Je pense qu'il y a autre chose et qu'on va libérer un truc et qu'on va le regretter. Convaincu par l'idée d'ouvrir ce truc, mais bon. J'ai un peu peur de ce qui nous attend là-dessous. Bon, on peut pas passer par là, en fait. Je pense qu'il faut que je redescende là. Hein. Toc, 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 toc. On peut se faire glisser. Ouais, on peut descendre comme ça.
mais là je peux plus y aller par là. On va voir en passant par ici. Non. En passant par ici, il n'y a pas moyen. Là, il souffre quand même un peu bizarrement, je trouve. Et là, vous voyez, il n'y a pas moyen de passer comme ça par-dessus. Il va falloir qu'on descende. Mais je vois pas trop... Par où on peut passer, en fait, ici. On est un petit peu bloqué. Bon, est-ce qu'on peut descendre par là? Ah, bah oui. On va descendre gentiment, mais l'autre, c'est très bizarre comme il gueule là-dedans. Donc visiblement, ça va être divisé en zones. Yeah! Bah ouais, je saute là. Et... Ah si, je peux. Ah, j'ai cru que je pouvais pas en fait, mais oulala. Oulala. Ouais. Mais j'étais pas parti pour tomber d'aussi haut. Ils sont en train de péter, hein. Et ça continue de péter, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, what the fuck, ouais, comme tu dis. Ouais, bah laisse-moi y aller. C'est très bizarre en plus les, ouais, les trucs à l'écran. Ouais, mais je ne peux pas y aller en fait par là. Je suis baisé. Moyen de évidemment de passer par dessus. Ah, en fait on peut casser le cadenas, d'accord. Bon. Oh là là, la dinguerie. Non. Ah, et d'accord, d'accord. Et donc là faut faire attention quand même en fait, hein, vraiment. On peut se casser la gueule. Et je pense qu'on le regretterait de tomber par là. Hop, on va se dépêcher quand même. Hein. Bon. Alors pour l'instant, évidemment, il se passe pas grand-chose. C'est une vidéo découverte, hein, donc c'est le début du jeu. Et on voit bien l'ambiance qui se met en place, le truc qui prend doucement. Non, t'inquiète. Bon là, faut que je tente un... Je peux pas rentrer là gentiment ? Non, il faudra que je tente un
un saut suicide. Là, faut pas oublier en plus d'appuyer sur la gâchette. Et là, je comprends pas parce que c'est ce que j'ai fait, mais faut pas oublier d'appuyer sur la gâchette en plus quand vous sautez. Bon. On va retenter le coup. Allez, on y va. On monte. Oh bordel. Ah ouais, ouais. Et je comprends que tu te parles tout seul dans ces moments-là. Je comprends totalement. Est-ce qu'on va y arriver à rentrer ? On va y arriver. Après, c'est pas dit qu'on soit mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Pour le coup, on sait pas trop ce que c'est que ce truc pour l'instant, donc... Le mec qui hurle dans son truc et tout, on sait pas trop pourquoi. Hein. On va descendre. Hein. Avec ton forage, ne casse pas trop les couilles parce que c'est un peu plus qu'un souci de forage, si tu veux mon avis, mon petit pote. À mon avis, on est un peu plus loin qu'un souci de forage, mais bon. Après tout, c'est lui le patron, hein. C'est pas ça que je voulais. Bon, il y aura visiblement une mécanique de gameplay, de l'escalade, etc. Pourquoi pas, hein. Ça, c'est pour finir par se chier dans le froc, parce que je sens qu'à un moment, on va se retrouver dans le noir, qu'on aura que ça pour s'éclairer, et qu'il y a des trucs qui vont nous sauter à la gueule. Et c'est tout ce que je déteste. Mais bon, ça va évidemment se passer comme ça, hein. Après, c'est pas grave, on arrive bientôt à une demi-heure de vidéo, donc on va bientôt s'arrêter. Ça m'arrange. T'es pas chier dans mon froc en vidéo. Voilà, l'angoisse. Il y a quand même des bruits chelous. On est d'accord. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller m'enfoncer là-dedans ? C'est quand même pas normal. Hein, un être humain normal, il fait pas des bruits comme ça. Allez. Je veux bien. Interagir, il y a une touche pour se retourner rapidement, c'est pas mal.
Est-ce que réellement j'ai envie de faire ça? Pas vraiment, j'ai envie de vous dire, mais bon. On se rapproche des bruits en plus, hein. Je voudrais pas dire, mais... Ils ont toujours une idée merveilleuse dans tous les jeux, les films, etc. C'est toujours se rapprocher du bruit qui est pas normal. Ok. Bah, je vous confirme. C'est à peu près tout ce que j'aime pas dans un jeu. C'est un peu comme le Alien, là, comment il s'appelait. Où à tout moment, on pouvait vous tomber dessus. Et c'est exactement ce qui va se passer là, je le sens. Putain. Je me sens de moins en moins bien, les gars. Chaque fois que je dois ouvrir une porte, je me dis que c'est une mauvaise idée. Putain. C'est pour faire quoi? Pour me montrer qu'il y a du sang? Si c'est pour que je me chie dessus, c'est plutôt réussi. Ah, je... Oh là là, je déteste ce genre de truc. Vous imaginez pas à quel point je déteste ce genre de jeu, de film, de... C'est vraiment pas mon truc. Mais là, je vais être emmerdé quand même, hein. En plus, on l'entend plus, l'autre dégénéré, là. Ça devrait me rassurer, mais j'aime encore moins ça. On va y arriver. J'espère. Il
Il y a du sang sur les portes et tout. Il y a une tête là, c'est une tête ça? Non, c'est un casque. Enfin, automatiquement, il y a un casque, il devait bien y avoir... la tête qui allait dessous à un moment. Et cette musique de con encore. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Je sais pas pourquoi je me lance dans des trucs comme ça. Je le sais en plus que j'aime pas ça. Et je me lance. Et en plus maintenant avec la caméra. Donc en plus vous voyez ma gueule, vous me voyez faire des bonds. Je déteste ça. Oh là là. Ouvrir les portes là, c'est une angoisse. Dans ce genre de truc. Ok. Ouais. Est-ce que je dois sortir ou est-ce que je dois attendre? Ouais, il va pas bien lui. Ah mais si je pars, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en courant ou... Bon, écoutez, on va pas aller plus loin. Hein. Je vais pas trop vous en montrer non plus. On arrive à presque 40 minutes, on va pas faire plus long. Vous l'aurez compris, c'est pas fait pour moi. J'aime pas ce genre de truc. Enfin, j'aime pas... En fait, ça me fout des angoisses, ce genre de truc-là. J'aime pas même les films et tout. C'est pas mon genre, on va dire. Mais ça a l'air plutôt sympa quand même, malgré tout. Donc si vous avez le Game Pass, je vous conseille d'essayer. Et ensuite, pour ceux qui sont sur la PS5 ou sur PC, eh ben, il est disponible. Et je vous ai dit, j'ai dû le voir à 35€, je crois. Alors je pense pas que ça existe en boîte, par contre. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. J'ai envie de vous dire, eh ben, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.